Salut tout le monde, c'est Swordom77 et aujourd'hui je vais vous montrer comment cloner un élément dans une image. Donc dans cette vidéo on va essayer de cloner cette fille. On va faire plusieurs copies de cette fille, on va les mettre dans l'image. On va faire trois copies. Alors première chose, on va utiliser l'outil plume et on va tracer sur la fille. Donc on va zoomer. Maintenez Alt et utilisez la molette de votre souris afin de zoomer. Voilà, et on va tracer sur la fille. Voilà, on va faire des petits clics comme ça afin de bien entourer la fille, bien sélectionner parfaitement. Il y a d'autres moyens pour faire des sélections, mais je trouve que pour faire une sélection parfaite, eh bien l'outil plume est parfait pour ce genre de sélection. Voilà, donc continuez à sélectionner, on est presque fini. On peut pas dire que je l'ai fait parfaitement vu que je l'ai fait rapidement. Donc après la fin de cette méthode, je vous montrerai une autre méthode. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter d'outil plume pour l'instant. Alors, une fois bien sûr entouré l'objet que vous voulez, disons la fille ici dans notre cas, et bien allez dans la fenêtre tracée. Et bien sûr, si vous ne voyez pas la fenêtre tracée, allez sur fenêtre et choisissez tracer. Ensuite vous avez bien sûr ce tracé qu'on a fait, le voilà, et il suffit de cliquer sur cette icône ici, hop, et voilà, on a transformé cette sélection en tracé. On veut revenir maintenant à la fenêtre décalque et appuyer sur CTRL-G. Donc une fois appuyé sur CTRL-G, on a donc un calque, on a créé un calque de cette sélection qu'on a fait. Maintenant regardez, si je cache l'arrière-plan, regardez qu'on a que cette fille. Maintenant, il suffit d'utiliser l'outil déplacement, voilà, et on va tout simplement déplacer ce calque. Voilà, on va le mettre ici. Alors, si vous voulez, bien, on va dézoomer d'abord. Hop, on va mettre cette fille ici. Maintenant, pour créer une autre copie de cette fille, on n'a pas besoin forcément de sélectionner encore une fois. Il suffit de faire une copie de ce calque. Encore une fois, vous pouvez bien sûr sélectionner calque 1. On va le nommer fille. Voilà. Et on va tout simplement, encore une fois, appuyer sur CTRL-G. Et on a une autre copie. On va l'appeler fille 2. Et bien sûr, encore une fois, l'outil sélection. Et voilà, faites comme ça. Voilà, donc ça c'est la première méthode, disons. Maintenant je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc on a supprimé les deux calques et maintenant on va cette fois-ci utiliser l'outil lasso magnétique. Voilà, qui est un outil parfait pour ce genre de sélection aussi. Donc il suffit de choisir un point, par exemple d'ici, et bien sûr faites un clic et lâchez. Et bien sûr voilà, il suffit d'entourer l'élément avec votre souris. Voilà, hop. Pas la peine de cliquer. Bien sûr, vous pouvez cliquer pour être plus précis. Par exemple, je fais un clic ici. Si ça ne veut pas se sélectionner, hop, clic ici, il n'y a pas de problème. Par exemple, la main est un peu difficile à sélectionner. On va donc faire des petits clics. Voilà, hop. Bien sûr, pour les zones comme celle-ci, bien sûr, on peut tout simplement, voilà, juste entourer avec votre souris. Pas la peine de cliquer. Voilà, hop, regardez que ça crée des points automatiquement. Voilà, on va faire un petit clic ici. Hop, ici, parce qu'il y a beaucoup de blanc, donc c'est un peu difficile pour Photoshop de bien préciser, de bien sélectionner la zone. Hop, on va faire des petits clics, pas de problème. Hop, hop, et on va. Vous pouvez voir que c'est plus rapide cet outil. Bien sûr, pour les éléments les plus petits d'image, par exemple des feuilles, des pierres, etc. Ben vous pouvez bien sûr utiliser le premier outil qu'on a travaillé avec. Hop, et on va tout simplement. Attendez, on va faire un petit clic ici. Voilà. Voilà. Hop, petit clic ici. Voilà, hop. Voilà, on a fait. Hop. Voilà, une fois bien sûr fini, on a eu une sélection, ben on va faire la même chose, CTRL-G, et on a fait un calque de cette fille, l'outil déplacement, et on peut bien sûr déplacer la fille. Voilà, on peut aussi changer sa taille si vous voulez, CTRL-T, et vous pouvez bien sûr changer sa taille. Voilà, vous pouvez mettre une toute petite fille ici, voilà. Il n'y a pas de problème. CTRL-T pour bien sûr changer la taille.
et cliquez sur cette icône pour confirmer. Voilà. Et voilà donc les deux méthodes pour cloner un élément, disons faire une copie d'un élément facilement. Voilà, vous pouvez bien sûr utiliser l'outil plume ou bien utiliser l'un des outils de sélection. Et bien sûr, voilà comment ça se fait. Donc, si vous avez des questions, commentez en bas. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, c'était Swordom, ça, je vous dis à très bientôt.